on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you it's special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing. Hey, yo, comment allez-vous? Bonsoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 32 de Final Fantasy VII Remake. Petit rappel de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Pas grand chose en soi, hein. Encore une fois, un épisode où c'est un peu beaucoup de scènes cinématiques là, c'était un peu les séquences émotions. Mais au moins, moi je pensais qu'en l'épisode précédent on allait chercher du coup Aerys, mais c'était pas dans l'épisode précédent. Mais dans cet épisode là, effectivement, on a pour but donc d'aller sur le plateau, donc au-dessus, hein, pour déglinguer sa race, la Shinra. Et l'idée c'est donc de trouver l'info pour comment faire en allant voir Don Corleone. Mais à la place de ça, on a trouvé c'est Leslie, c'est ça, qui nous donnera apparemment la solution. Donc pour ça, on est descendu dans les égouts pour trouver un repère. Voilà, on est arrivé. On va essayer de détruire et on verra. Il y a une porte avec l'emblème de Corneo dessus dans les environs. Oh, mais il y a pas mal de crabes là-bas. Il y a des boîtes là-bas aussi. Avant, c'était bien fermé ici. Je vous laisse sécuriser les lieux, d'accord? Ouais. Didi, j'ai une question. Lors de l'audition, pourquoi est-ce que t'es venu nous aider au juste? Parce qu'Andy me l'avait demandé. Seulement pour ça? J'étais pas prêt à prendre autant de risques que vous. Hein? Allez, dépêchez d'avancer. Ouais, mais moi je vais déglinguer les caisses. Hop là. C'est quoi ce délire en train de faire? Ok, bon, on y va. Allez! Hop là! On va pas avoir de soldats. Tiens, quoi! Tiens, mon pote! Faisons autrement. C'est pas vrai! J'ai pas dû faire gaffe! Voilà! Petite transcendance. Pas de chance pour toi! Hop là! Faire un petit sort de la part de Tifa. Extra glace. Oh bah il est mort, bah ouais. C'est pas fini. Il est passé où ce petit con? Oui, bonsoir. Ah, c'est là. Attends. La cachette de Corneo est très proche. Je préfère passer devant à partir d'ici. Alors. Fais un petit yes. On va se reposer tous les PV mana. On va pas faire un gros combat, mais. Un petit peu, quoi. C'est parti. C'est là? Ouais. Et ce moyen d'aller sur le plateau? C'est là-dedans. Et qu'est-ce que t'attends pour entrer? Désolé, mais. J'ai encore un peu besoin de vous. C'est quoi ça? Non, pas ça. Attends! Pour l'attraper. Mais... C'est très important. Il a pris la clé de la porte. Allons-y. Ouais, c'est étonnant que ce soit la clé de la porte.
Roland. Ils viennent tourner au coin. J'arrive. Voilà. T'as perdu. Toi, y a un cop. Non, pas eux. Des sacs à PV, eux. J'arrive. Je sais pas de bravoure de soldat. J'ai du plan. J'arrive. Putain, mais je suis une grenouille à nouveau, il casse pied avec l'ordre. Passons aux choses sérieuses. J'arrive. Tiens. C'est quoi cette merde? Attends, regardez. Attends, synchroniser. Par sécurité. Alors, faiblesse le feu? Mais pas de problème, mon cousin. Hop là. Petit sort feu. Bah oui, tiens, c'est calme. Saute-moi ça. Hop là, bah. Et voilà. Ça, c'est du travail d'équipe. Ouais. Yes. Un parcours d'obstacles. Oh, il est... Avoir couru, faut qu'on joue à cache-cache. Sort d'extra feu, hop là. Ouais. Faut les détruire aussi parce qu'on redoit t'endormir. Hop là. Merde, merde. Il faut que je tire le coup. On y va. Je vais me lâcher. C'est pas fini. Ouais, victoire. Choper. C'est le moment de faire de mon mieux. Prends ça. On y va à fond. Et voilà,
Ça, c'est du travail d'équipe. Ouais. Ok. C'est chelou un peu ce truc phosphorescent. Faire un carnage. Plutôt c'est un ennemi. Qui sort, pas encore. Voilà, sort. On tire sur un. Enfer. Tifa, fais-moi un petit. Putain, c'est pas vrai. Ah, Tifa. Sors. Classe. Extra classe. Allez, viens. Allez, viens et prends-moi la main. Hop là, voilà, ça y est. Ok. Promis, on te fera pas de mal. Alors reste où tu es. Mais non. Je tiendrai jusqu'au bout. C'est pas fini. Mais t'es foutu. Non, il va me transformer. Ah, le salaud. Et lui, c'est quoi son... son truc à lui, là? On sait jamais. Le feu. Oh, mal, mais... mais bouge pas. Attends, les chats. Non, 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 pas de grenouille. Un petit sort de feu, mais il n'y a pas de souci. Tiens, regarde, c'est cadeau. En avant. Allez, bah c'est pas autre chose. Pas question de le laisser filer. Tu peux marcher, non, mais pourquoi on est obligé de marcher là? Vous voyez, je comprends pas ces séquences de jeu où ça ralentit beaucoup trop le gameplay en fait. Et c'est vraiment ça que je reproche à ce jeu là en fait. En soi il est bien et tout, mais autre, il ressemble assez pour milieu ce coup par hasard. Et voilà, et c'est quel est l'intérêt de marcher tout doucement en ralenti. Ça je peux pas savoir, merci. Cloud plutôt là. Pourquoi je comprends pas la solution?
il est relou lui. Oh, je peux bouger. J'arrive. Ça suffit. C'est pas possible. Encore. Tu vas pas déjà t'avouer vaincu. Phoenix. Oh merde, mais qu'est-ce que je fous là? Je m'en charge. Je vais me soigner. Trop tard pour les regrets. Pourquoi je peux pas utiliser d'objet? C'est quoi le délire? Objet, il faut que je me saisisse. Il a un mode toupie Beyblade, ok. C'est pas fini. Putain, relou. Je te tiens. On y va à fond. Pas trop de choses sérieuses. C'est pas fini. Prends ça, Emma. C'est mal, hein. Putain. Rends-le-moi. C'est quoi? S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est ça ta clé? Désolé. Et j'imagine que c'est pas le tien, n'est-ce pas? C'est un souvenir de ta mère? J'ai pas de famille. On a poursuivi un beau rêve, un rêve précieux. C'est sa fiancée. En langage des fleurs. Tu devrais m'oublier. Quoi? Ça vaut mieux. Oh. Déchirure. Le divorce. Il y a 6 mois, après que Corneo l'a choisi comme concubine, je ne l'ai plus jamais revue. Oh, bâtard. Avant de partir, elle m'a rendu ça. Sympa, non? Il m'avait coûté une petite fortune. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Me venger. Je sais bien que ça la fera pas revenir. Mais si je saisis pas l'occasion, je sens que je le regretterai toute ma vie. Fais T'inquiète comme tu pas. Veux. Du moment qu'on peut aller sur le plateau, on te suit. T'inquiète pas. Je vous en fais la promesse. T'as marqué des points. Écoutez-le. Passons par ici, c'est un raccourci. Ce salaud de Corneo, il perd rien pour attendre. Laisse-moi lui régler son compte. Hein? S'il vous plaît. Entendu. J'aime pas les caisses, ok? Sachez-le. Comment divertir Cove Shadow? C'est ça, tu mets pas mal de caisses devant lui.
merde, je dois revenir au même endroit, non? Ah non, attends. Attends, on va reprendre notre vie. Attendez-moi ici. C'est vraiment une bonne idée de le laisser y aller seul. Voilà, on avait besoin parce que franchement on a pris beaucoup trop cher dans les égouts. Alors, c'est boss moi, ou pas Leslie. Boss? Je suis venu vous livrer un message important. Ah oui? Tu es seul? Oui. Henri? Et où sont mes petits chatons d'Avalanche? Si je ne m'abuse, c'était pourtant ta mission de me les ramener! Je suis désolé. C'est ce dont je voulais vous parler. Oh bâtard. Leslie. Tu n'es pas sans savoir pourquoi je me cache dans ces égouts. Les petits chatons d'Avalanche m'ont coincé. Et j'ai un petit peu trop parlé. La Shinra n'a pas vu ça d'un très bon œil. Bah. En détruisant complètement le plateau. Elle espérait beaucoup plus de victimes que ça encore. Mais il a fallu que les petits chatons viennent s'en mêler. Ils ont fait fuir ces rats du bidonville. Oh, Barrette, il est mal vénère. Il faut que je te dise un petit secret. La Shinra veut abandonner Midgar et créer un nouveau paradis dans un tout autre endroit. J'y avais ma place. J'étais destiné à devenir le patron du nouveau Wall Market. Mais maintenant, je suis recherché. Avec ton love là sur la tête, t'as trop. Putain, mon dieu. Qu'est-ce qu'il a frôlé? Leslie. Et dire que j'avais envisagé de te confier la direction de ton propre établissement. Oh, tu me déçois beaucoup. Et maintenant, un petit quiz. Quand les grandes crapules dans mon genre se mettent soudain à raconter toute la vérité comme ça, c'est dans quel type de situation, hein? Quand ils sont persuadés d'avoir gagné. Don Corleone, on dirait un peu le méchant dans Far Cry 4, je crois. Bagan Min, là. Avec sa crête jaune. C'est la version bouffon, quoi, tu sais. Qu'est-ce que t'as eu à voir dans tout ça? Là! Oh, regarde, là! Non, mais tu te fous de ma gueule, là. Oh, hi, tant pis! Parce que je me fous pas du tout de votre gueule, en vérité. Encore lui là? À toi de jouer, mon poussin! Fais-leur des gros poutous! Au revoir, poussin. Enfer! On va se retaper contre lui! Oh non, il est piégé. On va d'abord faire taire celui-là! Allez, c'est parti! J'arrive! Oh. À toi de jouer. Lola, qu'est-ce qu'il fait? Genre, il contrôle l'eau?
pas trop jouer. Non. Fini de jouer maintenant. Alors là, mon mignon. T'es pas prêt. Hop, hop. Pas de chance pour toi. Non, ta face. De l'eau, de l'eau. Ah bah bah. Putain, il l'a esquivé. Là je vais aller. Non, esquive. Trop tard. Je vais jouer à ça. Invocation. Ifrit. Vas-y. Ah ouais mon pote. Écarlate. Un petit oui. Transcendant. Qu'est-ce que tu fais? Il fait ça dans le vide, ce putain. Tour d'invocation, non? Ah ah ah. On y va. C'est pas fini. Voilà. Merci Ifrit. C'était cool. Et bah le QG au moins il est nettoyé là. Oh. Ça va? Corneo. Désolé, il nous a échappé. Tu l'as fait fuir, ouais, t'es mauvais. Tant pis. Je le retrouverai bien. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Rien de mieux que ça? Que de chercher Corneo? Hein? Retrouve ta fiancée. Cherche plutôt. Et récupère son cœur. Oh putain, je suis un génie, les gars. On se rend compte souvent trop tard qu'on aurait dû oublier sa fierté. Mais pour toi, il est encore temps. Langage des fleurs. Jette-lui une rose. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Qu'il faut que tu te rentres dans un jardin. Retrouvailles. Hein? C'est ce que cette fleur signifie. Je crois. Je crois que vous avez raison. Je vais la chercher. Je vous remercie. Mais de rien, mon poussin. T'as pas oublié ta promesse, j'espère. C'est vrai, ça. C'est... Ah, voilà. Sortons d'ici. C'est que je vous montre comment aller là-haut. Ah bon? À tout moment? Oh, c'est bien ça. Ok, pas mal. Bah écoutez, bah, on va repartir sur la surface dans le prochain épisode. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une très bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez. Ah oui?